Bienvenue à tous, bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette nouvelle vidéo s'appelle Découverte de Dota 2. J'espère que vous allez bien aimer. Là, j'en suis que au tutoriel, deuxième partie plutôt. La première partie, je l'avais fait une fois. On peut commencer pour savoir un peu comment c'était. Alors, hop, voilà. Hop, je suis PC. Là, il nous demande de faire. Donc, ça accélère juste la résolution. Vous attendez que vous êtes un peu bien. Donc, après, je vais devoir aller détruire, donc vaincre le Tide Hunter. Et tout. J'aime bien ça. Bon, là on est à 0,7, on reprend, hop, on fait ça. Puis on attend d'avoir 0,7. Ouais, on va l'utiliser, allez. Voilà. Donc pour se déplacer, voilà, on passait les souris à gauche, à droite, en haut, en bas. Puis se déplacer, on fait clic droit pour rejoindre. Voilà. Of course. Puis pour attaquer, ben. Sure is shooting. Donc là, il nous explique et tout, d'atteindre le niveau 2. Ok. Donc. Yes. Ouais, voilà. Easy shot. C'est un peu comme un jeu qui s'appelle LOL, League of Legends pour vous le dire tout de suite. Donc là, j'ai bientôt passé mon niveau. Voilà. Ici. Spotted. Donc par ici, notre tour est en danger, le Tide Hunter arrive à nous, nous ne pouvons pas le repousser seul, aidez-nous. Line of sight. Donc là, il nous demande d'aider. Donc 2 secondes. J'ai pas un objet que je pourrais... Classique, amélioration... Non, je peux rien acheter. Spot on. Donc, la mi-carte contient une foule de renseignements. Voilà, c'est libéré. Full bore. Bah, faut que je fasse d'autres choses, que je tue le con ici là. Donc ça va être quand même un peu dur. Là, les arrières de ça va être quand même assez dur, j'ai plus vraiment de mana. Enfin, si c'est comme ça qu'on dit, hein. Je suis un peu en découverte du jeu. Depuis longtemps. Oh, il a activé un gros sort lui. Je crois que je vais pouvoir l'avoir. Allez, voilà. Yes. Je viens juste de débloquer un niveau, je suis content. Run and gun. Into the breach. My spotter guides me. Ouais, là, faut défendre vraiment la tour. Faut reculer un petit peu, parce que sinon on va se faire attaquer. Voilà. Skill sharpened.
Trick shot. Après il faut aller vers où? Je sais pas. Ah, ça va pas aussi. Oh oh. Yes. Merci pour votre aide. Le titre nous a donné du fil à retordre, mais il semblait que lui restait peu de points de vie lorsqu'il a fui. Heureusement que nous avions cette tour pour nous aider à nous défendre. Les tours sont très importantes pour défendre. S'il y a quelque chose à retenir, ok. Ouvrez le menu de l'échoppe avec KP1 pour acheter des bottes of speed. Donc voilà. Shop, hein, je sais même pas, je regarde un peu là-dedans. Basique, hein, voilà. Pour acheter, vous faites clic droit sur le truc, ça suffira. Voilà. Un ring de protection, voilà. Donc là, c'est un peu de récupération. Voilà. As you say. Et suivez toujours l'oiseau, il va vous indiquer où qu'il faut aller surtout. Alors s'il patiente, ça c'est qu'il faut aller yes. voir. Ravi de vous revoir. Vous pouvez récupérer vos objets lorsque vous êtes à l'intérieur de la base. Pour cela, appuyez sur le bouton s'équiper de la réserve pour transférer. Ok. S'équiper. Voilà. Non, faut qu'on achète un coursier. Hop. Donc faut le déployer en utilisant C. Voilà. Line of sight. Il existe sûrement un moyen de s'en débarrasser une bonne fois pour toutes. Donc voilà. Ouvrez le marché vers le nord-est. Mieux vaut laisser le coursier ici. Nous avons pas besoin. Of course. Ok. Yes. Et la capacité ultime ici, vous l'aurez qu'au niveau 6, donc qui peut faire beaucoup de dégâts comme vous pouvez le voir. Donc Yes. Là c'est par où ouais, donc c'est par ici. Run and gun. Sure is shooting. Okay. Yeah. Eat lead. Shrapnel. Cochon. Donc j'ai gagné un niveau. On va mettre par ici. My spotter guides me. Voilà.
faut appuyer sur W. Donc voilà. Donc il faut tenir. On a juste appuyé sur un truc. Spotted. Gold for lead. Voilà. A new trajectory. Into the breach. Voilà. Donc, on espère. Yes. Avec tout cet or, c'est le moment d'acheter des améliorations. Améliorer votre amour. Et on a un Rig of Basius. Ok, qu'a bien. Et acheter des trucs. Donc, là, hop. Et il faut cliquer ici. Hop. Voilà. Transféré automatiquement pour ceux qui en approchent, vous pouvez visualiser son trajet. Donc, on peut voir là la petite tête hein, qui dit qu'il se dirige vers nous. Voilà. Donc on désactive, hop, en cliquant sur X. Donc là, il est temps de trouver quelques petites trucs pour, afin de gagner le niveau 6, bien sûr, qui n'est pas très loin en plus. As you say. Shrapnel. Let's have a go at it. Hop. You die. Voilà. Et là, on débloque la amélioration ultime. Donc, on aura besoin du coursier volant. Voilà. Et on aura besoin de ça aussi. Désolé, je ne bug un peu, donc j'en suis désolé. J'ai du 4 FPS, vous inquiétez pas, ça va revenir très vite. Snipe hunt. Donc on entend que le coach arrive. Ok. Il y a quelque chose que vous devez savoir au cours de la transformation de terrain. C'est un sort à canalisation. Vous devez donc rester immobile pendant l'utilisation. Si vous vous déplacez, le sort s'annulera. Donc quand vous ferez tout, il faut rien ne faire et attendre que vous êtes téléporté à destination. Choisis pour bouger. Sinon, ça pourrait avoir des conséquences par la suite. Yeah. Juste là, j'espère que mes FPS vont pouvoir se débloquer. Donc voilà, appuyant sur C pour. Rien, ça va nous téléporter. Voilà. Nous avons été téléportés juste à côté de la tourelle, ce qui est assez formidable. My spotter directs.
Donc faut toujours suivre le petit oiseau. J'en suis désolé, je bug un petit peu, je sais. Mais j'espère que pour vous, le petit gameplay sera de bonne qualité. N'oubliez pas de le mettre en 7.1 et de vous abonner. Donc là, ils disent de suivre le petit oiseau. Là, c'est un peu le gars qui raconte le tutoriel. Tout ce que vous faites, il va pouvoir vous servir dans le petit. Donc là, il faut aller. Il est temps de mettre au travail, utiliser assassinat en cliquant sur R. Et cliquer sur le petit 2. Check it out. Voilà. Plus 463 or pour avoir tué le tutoriel boss et tout. Donc là, jouez tir, vous l'avez fait, il ne vous aidera plus nous déranger, notre base est maintenant en sécurité. Voilà. Et on est arrivé presque aussi là, au niveau. Voilà. La deuxième partie du tutoriel qu'on a réussi, vous êtes un vrai tireur complète, on restera jamais gravé dans l'histoire bien sûr. Et donc j'espère vous avoir montré comment il fallait faire pour réussir le tutoriel numéro 2. Tutoriel numéro 1, si vous voulez que je vous montre, même si j'ai déjà fait, demandez-le. Et si ça vous a plu, dites merci. Allez, abonnez-vous, dites un petit j'aime, et on se retrouve à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Dota 2. Allez, ciao ciao tout le monde, ciao ciao les amis.